trophées pour cette édition 2018 du Gala des trophées sportifs américains. Des terrains de basketball aux patinoires, des pistes de ski aux couloirs de natation, tous vos athlètes préférés sont réunis sur le tapis rouge pour cette soirée exceptionnelle. Derrière moi, le champion du ski alpin, Justin O'Neill, fort de sa deuxième place à l'émission Devine qui vient danser ce soir. Justin. Bonsoir, Maggie. Comment ça va? Super. C'est votre première sélection dans la catégorie athlète masculin de l'année depuis votre victoire au Japon. Ouais, ça va sans doute faire un peu cliché, mais c'est déjà un honneur d'avoir été nommé. Avouez que ça ne vous déplairait pas d'ajouter ce trophée à votre collection de coupes et de médailles. L'important, ce n'est pas toujours de gagner. Sauf sur les pistes. Bonne chance pour ce soir, Justin. Merci, Maggie. Anna, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. J'aurais vraiment aimé, Justin, mais Nils démissionne. Je comprends pas que Nils me lâche. On te trouvera un nouvel entraîneur. Je veux pas d'un nouvel entraîneur, je veux le même qu'avant. Il sait que j'ai plus besoin de physiothérapie. Je peux reprendre l'entraînement. Il trouve difficile de te ramener au top avant la Coupe de Winter, mais ne te laisse pas décourager. Il me faut à tout prix un entraîneur, je me suis arrêté un an. J'ai d'autres cartes dans mon jeu. Génial, ça me rassure. T'as pas fait tes bagages? On part demain matin. Pourquoi on n'attendrait pas? On trouve un entraîneur et je prends vraiment le temps de me préparer. Tu es venu au monde sur cette montagne, Justin. Il n'y a pas mieux pour ton grand retour. Justement, ça me met sous pression. Les gens du coin comptent sur moi. Et tu les rendras fous de joie en remportant la coupe. Après ça, tous les contrats publicitaires vont pleuvoir. Crois-moi, je n'en suis pas à mon galop d'essai. Maintenant, mange et fais ta valise. Pendant ce temps, moi je vais passer quelques coups de téléphone pour créer le buzz. Sois prêt pour 9h. Vive le retour au bercail. Ça va être génial. Fais-moi confiance. Le champion de retour dans sa ville natale. Je vois déjà les gros titres. Prêt pour ta première descente? Ouais, ouais. Mais je vais dire bonjour à mes parents avant. Ok. Alors, à plus. À tout à l'heure. Tu t'en sors très bien. Pas mal, hein? Mm-hmm. J'ai prévu une petite soirée spéciale. On devrait peut-être mettre une autre affiche près de la cheminée. Je finis ça et je vais m'occuper de nous. C'est vous les propriétaires? J'aurai une plainte à formuler. Oh, oh, oh. Tu t'es décidé à nous rendre une petite visite, finalement. Salut, maman. Papa. Content de te voir, Justin. Ça va, ton genou? Totalement remis. Amplitude de mouvement? À 100%. Alors, tu as repris l'entraînement? Aujourd'hui. Tu as bonne mine? On ne t'avait pas revu depuis l'Autriche. Me parle plus jamais de l'Autriche, maman. Tu vois, pour moi, l'Autriche n'existe plus. Je l'ai complètement effacée de mes souvenirs. Hé, hey, les chutes, ça arrive même au meilleur. Si tu avais vu ton père après le combiné suisse en 84... Ouais, ouais, je sais. Ça ne m'a pas empêché de remporter le championnat, pourtant. Il suffit de te remettre en selle comme je l'ai fait et tout se passera bien. C'est mon plan. Génial. Tu veux un chocolat chaud? Ton père nous a trouvé une nouvelle machine à boisson qui fait un vrai malheur. Avec grand plaisir. Saupoudré de cannelle, comme tu l'aimes. T'as pas honte d'abuser de ma gourmandise comme ça? Oh, je veux bien me mettre à la pâtisserie si ça peut te faire venir plus souvent. Ça marcherait. Ah, te voilà. Je t'ai décroché une interview à la radio à 14h. Oh, super. Vous vous souvenez d'Anna? C'est mon agent. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Vous voulez un chocolat chaud? Oh, merci, mais j'évite le sucre. Avez-vous trouvé un nouvel entraîneur? C'est ce qui importe au final, non? Beaucoup plus que les interviews. J'ai pas mal de relations, je... On a plusieurs autres cartes en main, pas vrai? En effet, un tas d'autres cartes. Vous pensiez à qui? Et tes enchères se présentent bien? Elle organise une vente de charité pendant le championnat. Quelle formidable idée. En fait, Kayla nous a apporté de splendides articles à vendre. L'as-tu rencontré en vie? Non, pas encore, mais... Pourquoi tu ne passes pas lui dire bonjour à l'école de ski? Oui, oui, j'irai la voir un de ces jours. C'est une amie d'enfance. Kayla Green, notre meilleure monitrice de ski, si vous voulez prendre des cours pendant que vous êtes là. La fille de Martin Green? Oui, oui, c'était mon entraîneur. Justin me l'avait dit. C'est un sport de famille dans cette ville. On a le ski dans les veines. Eh bien, justement, je vais aller skier un petit peu avant mon interview.
Bande de petites canailles. Oh. Excusez-les, je suis vraiment désolée. Vous vous êtes fait mal? Oh. Justin? Salut, Kayla. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. La compétition n'a lieu que dans une semaine. Est-ce que tu es un fantôme? Pas que je sache, non. Pourquoi tu demandes ça? Ben, disons que tu as disparu, genre... pouf, tout à coup. Ouais... Eh bien, non, c'est moi, en chérie, en boss. Alors, où est Nils? Oh, je m'entraîne pas avec Nils en ce moment. Oh. Et toi, comment ça va, Kayla? Pas aussi bien que toi, c'est sûr. La flopée d'articles ou la campagne de pub pour les sous-vêtements thermo-arctiques dont on a tellement parlé. Mais j'aimerais savoir la flexion du bras. Mm. C'était ton idée ou ils t'ont... Non, c'était pas mon idée. Enfin, si, quand même un peu. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'amuses à m'espionner? Je suis flatté. J'espère que c'est toujours le ski qui te motive et pas la notoriété. Tu sais très bien que c'est le ski. Dans ce cas, remets-toi vite à t'entraîner parce que tu viens de te faire avoir par une bande de gamins de 12 ans. Salut. Ouais. Ah. Quelle retrouvaille. Bon, jeudi matin, on se lance sur une piste rouge, alors essayez de vous reposer, hein. Très bon travail. Merci, Kayla. Eh ben, tu en as mis du temps. Tu n'es pas retombée, j'espère. Non, j'ai juste... croisé une vieille connaissance. Oh, la tristement célèbre Kayla Green. Enfin, tristement célèbre, peut-être pas, légendaire à la limite, mais faut quand même pas exagérer. Kayla, je te présente mon agent, Anna. Anna, ravie de vous rencontrer. Enchantée, vous avez vraiment fait décoller sa carrière. On voit rarement les skieurs devenir de pareilles célébrités. Très juste. Je crois que vous vous trompez. Vous êtes en passe de devenir le plus jeune vainqueur de la coupe. Ah, ça m'étonnerait. Parlez-en à ce gars-là. C'est toujours lui qui détient le record. Vainqueur de la coupe à 19 ans, alors que moi j'ai déjà fêté mes 20 ans. Une petite seconde. Justin O'Neill. Mon vieux, je m'incline bien bas. Salut, je me présente. Hunter Davis. Méga fan. Salut, je t'ai déjà vu skier. Tu vas être un concurrent redoutable pour tout le monde. Ah, j'arrive même pas à croire que je vais me mesurer à toi. J'avais un poster de ce gars-là dans ma chambre quand j'étais petit. T'étais vraiment le meilleur en ce temps-là. Je me souviens encore la première fois que je t'ai vu à la télé, il y a des années et des années de ça. Très longtemps. Et on m'avait permis de rester debout jusqu'à 2h du matin pour te voir skier en direct du Japon. Ça avait été une très belle épreuve. Heureux de t'avoir rencontré. On se reverra sur les pistes alors. Ouais, cool. Je t'offrirai bien une bière, mais j'ai pas l'âge légal, alors à plus. Bonne chance, mon vieux. Ouais, un de ces jours. Je veux vous voir cette semaine, vous aussi. Il faut qu'on se parle. On a tous hâte d'assister à votre grand retour. Oui, quand vous voulez. Anna est là. Elle trouvera un moment. Tout ça, Justin, ce n'est que du blabla. Mm-hmm. N'oublie pas ce que mon père nous disait à propos des médias. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. L'important, c'est le ski. Ça vient de me revenir. Voilà tes horaires pour demain. T'as encore les jumeaux Hensley? Désolée, je t'invite à manger. Ouh, quelle petite crapule tu fais. Crapule, moi? Tu comptes me raconter bientôt ton petit face-à-face avec Justin O'Neill? Qui t'en a parlé? Je l'ai lu dans ton regard. Oh, décidément, les ragots vont à une vitesse folle par ici. Ouais. C'était pas un face-à-face, mais une rencontre. Et ça s'est très bien passé. Oh non, attends une seconde. Pourquoi t'es pas furieuse après lui? J'en veux encore à Jason Gregory de m'avoir plaqué quand j'avais 11 ans. Et Justin a fait bien pire. J'ai rien à lui reprocher, à part peut-être son silence radio depuis son départ. Non, mais tu plaisantes. Vous faisiez équipe dans le circuit tous les deux, comme papa et Tom. Nils Rediger proposait de l'entraîner. Je pouvais pas le priver d'une pareille aubaine. Je n'avais pas d'expérience solide. Papa nous a appris tout ce qu'on sait. Ça, c'est de l'expérience. Et il était fier de devoir entraîner Justin O'Neill et suivre son exemple. Ouais, et s'il nous voyait aujourd'hui, il serait sûrement fier de nous voir diriger l'école toutes les deux et reprendre ainsi le flambeau derrière maman et lui. Je vais très bien, Justin aussi va bien. On nage tous en plein bonheur. Oh, ça fait 4 ans que j'avais pas mangé le pot-au-feu de Nora et il est toujours aussi bon. C'est bien pour ça qu'on y retourne. Tu sais, papa, je suis un régime très strict. En général. J'ai pas dit un mot. Justin O'Neill. Je peux avoir une photo? Ouais, mais ça va te coûter cher. Je suis content de te voir. Ouais, moi aussi. En vrai et pas à la télévision. Mm. Oh, tu nous as manqué, Justin. Je suis tout à toi cette semaine. Alors, ton genou, ça va?
Est-ce qu'au moins on t'a fait de l'hydrothérapie? Des ultrasons? Bah ouais, tout ça, et même plus, docteur Murphy. Ah, pas de docteur Murphy pour l'instant, pas avant 5 mois. Je compte même les secondes. Le jour, je travaille pour tes parents, et le soir, je révise mes cours. Hé, on sort boire un verre? Eh ben... Oh, allez-y, on a le temps de se voir. Pas trop tard, d'accord? Parce que je fais fermer la piste noire jusqu'à 7h demain. Tu pourras la voir pour toi tout seul. Je commencerai à 6h. D'accord, bien. Super, bonne soirée. Bonne soirée. Je m'entraîne, Wyatt. Alors, pas d'alcool. On boira un café. D'accord. Mais le mien sera irlandais, comme au bon vieux temps. Ouais. Quoi de neuf, champion? Ça doit faire 5 ans qu'on t'a pas vu. 4. J'ai pas eu le temps, je passe d'avion en avion pour faire des championnats jusqu'en Europe. Tu te fous de moi? Ça fait presque 1 an que t'es en rééducation. T'aurais dû venir suivre le programme de notre centre de physiothérapie. Il y a pas meilleure clinique sportive au monde que celle de Manhattan. Mon chirurgien est juste à côté. Je crois pas qu'ici ça aurait été mieux. En moins de 6 mois, j'étais prêt à recommencer à skier. Je peux faire 1000 fois mieux que ces médecins. Oh. Et je vais te donner des tas de cartes de visite pour tous tes amis qui se blessent sur les pistes. Le docteur Murphy, grand traqueur d'ambulance à la rescousse. Non, c'est pas mon genre, Justin, et tu le sais. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. 2 ou 3. De toute façon, je l'ai dit. Est-ce que t'as toujours un faible pour la sœur de Kayla? T'as l'intention de lui en parler un jour? Ouais, quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment, ouais. T'as toujours un faible pour Kayla? Oh, dis pas de bêtises. Kayla et moi, on est bons amis. J'ai jamais eu de sentiment pour elle, d'accord? D'accord, bien sûr, ouais. Ouais. Il s'appuie sur sa jambe gauche, il a toujours mal à la droite, plus depuis des mois. Il ne prend aucun risque, mais son genou est guéri. Il doit s'appuyer dessus. Ton genou est guéri, tu dois t'appuyer dessus. Tu ne finis pas un seul virage, tu mets tout ton poids vers l'arrière. Je n'ai pas à me mêler de ça, c'est sorti tout seul, désolé. Il vaut mieux que je fasse. Non! Restez, au contraire. Justin, j'ai l'impression qu'on t'a trouvé un tout nouvel entraîneur. Excusez-moi, pour la semaine. Juste pour toi. Non, je suis débordée cette semaine, je dois continuer et à donner tu sais, des cours. En plus, c'est même pas un vrai entraîneur. C'est moi qui t'entraînais la première fois que tu as remporté la coupe, rappelle-toi. Justement, pense à ce que ça implique, Justin. Et puis, dans le temps, son père a conduit ton père de victoire en victoire. Et tu sais que l'histoire a tendance à se répéter. Et est-ce que c'est toujours une si bonne chose, hein, Anna? Et t'avais pas d'autres cartes en main? J'ai jamais eu de carte, je bluffais. Justin a besoin que quelqu'un lui dise la vérité. Sans complaisance et sans ménager son ego, tout ça l'empêche d'avancer et de se remettre en question. Justin entend tout. Laisse-moi finir, tu veux? Vous êtes son ami d'enfance. Vous êtes la mieux placée pour ça. Vous l'avez connu à ses débuts. Vous ne vous laisserez pas intimider par l'aura de strass et de glamour qui entoure Justin. Vas-y, fais comme si j'étais pas là. Je dis seulement ça pour ton bien. Écoutez, voyons. Il doit bien y avoir une autre option, non? Et pourquoi pas son père? Oh, non, 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 non. Ça, je refuse. Ou ma sœur Jenny qui donne des cours de ski avec moi. Elle est parfaite. Oui, mais Jenny n'y connaît rien en descente. Justin? Tu es en train de plaider en ma faveur. S'il vous plaît, il a besoin de vous. Faites-le en souvenir du bon vieux temps. Approchez. Il m'écoutera au moins. Est-ce que tu l'écouteras? Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelles sont ses méthodes d'entraînement. Ok, au revoir. Super. Justin, je t'en prie. D'accord. Je suivrai tes conseils. À condition qu'il soit sensé. Oh, j'enseigne toujours des choses parfaitement sensées. C'est réglé alors. On commence demain de bonne heure. Génial. On va recommencer. Vous êtes super, mais rappelez-vous, pour bien garder l'équilibre, redressez les hanches un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, je veux pas vous voir dans la position du zombie, d'accord? Je vous surveille, attention. Allez, on remonte. Tiens, bonjour. Salut. On s'entraîne pas à 9h? Si, pourquoi? Tu vas trouver un autre prof pour te remplacer? Non. Alors, qu'est-ce que je fais là? Tu vas prendre le tapis roulant avec mes élèves. La piste verte? Faut apprendre à ramper avant de savoir marcher. C'est ça tes méthodes sensées? Parce que je vois pas comment le fait de skier avec une bande de gamins sur une piste verte va m'aider à gagner. Pourquoi tu ne m'accordes pas le bénéfice du doute? Je dis ça comme ça. Quand j'avais votre âge, mon plus grand plaisir, c'était de skier sur de la bonne poudreuse. Y a rien d'aussi magique que ça. T'es d'accord avec moi, Justin?
C'est même pas de la poudreuse. Fais-moi confiance. Justin ! Trop cool ! Ouais, je donne un petit cours. Je prépare la relève, tu vois. Ah, faut rester modeste. Namasté. Ok, vous dites la vérité à personne et je vous offre une glace après le cours. Ouais, ouais. Je vais vous voir écarter les jambes et faire un beau chasse-neige. Attention, 1, 2, 3, foncez. Waouh, pliez les genoux, penchez-vous vers l'avant. Fantastique, vous êtes des champions. Tout le monde en chasse-neige. C'est super, continuez. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai perdu mon ski. C'est pas grave. Elle débute dans le métier, mais elle est largement aussi douée que son père. Peut-être même meilleure. Évidemment qu'il porte les chaussures Mountain Ridge. Il se fiche que la publicité ne passe plus. Il les a toujours gardées au pied. Oui, l'épreuve est retransmise à la télévision. Le 29? D'accord. Merci, Ruth. On est à deux doigts de récupérer le contrat pour les chaussures Mountain Ridge. Comment ça s'est passé? On n'a pas reconnu le parcours. Pourquoi ça? Parce que mon entraîneur m'a fait travailler sur la piste verte. Tu es sérieux? Mm-hmm. Mais on n'a plus que 7 jours. C'est toi qui as eu cette brillante idée, Anna. Oh, je parie qu'elle a un plan. J'espère. C'est pas vrai, t'as vraiment fait ça. J'espère que t'as pris des photos au moins. Non, je voulais quand même pas l'humilier, le pauvre. Mais c'était vraiment hilarant de le voir skier au milieu des enfants. Tu essaies de faire quoi? Tu veux lui embrouiller la tête? Non, c'est pas du tout ça. Je veux qu'il arrête de se prendre pour Justin O'Neill, la superstar, et qu'il redevienne seulement Justin O'Neill, le skieur. S'il y a quelqu'un qui peut le ramener, c'est bien toi. C'est pas sûr, il est un petit peu plus réfractaire qu'à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillée comme ça? Il y a un vestiaire là-haut, tu pourras te changer tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le deuxième jour et j'ai toujours pas reconnu le parcours. À une certaine époque, tu me faisais confiance. Pourquoi tu n'essaierais pas à nouveau? Tu as un plan, Kayla? À ton avis? Répondre à une question par une question est une technique d'esquive classique. Dans certains cas, sûrement. Je veux que tu m'expliques. On est partenaires. Mon plan est simple. Tu dois absolument redescendre sur Terre et te recentrer. Ah, tu es très énigmatique. Je n'aime pas ça. Contente-toi de te dire qu'il y a une certaine logique à ma folie. Je sais toujours pas quel est ton plan, Kayla. Non mais sans rire, c'est quoi l'idée? C'est l'enfer, il fait super chaud. Le yoga Bikram fait transpirer. Oui, bah, je trouve pas ça très hygiénique. Ça étire tous les muscles en profondeur, ça améliore la circulation et ça donne un teint éclatant. Et c'est censé m'aider en quoi? Déplace tout ton poids sur le genou blessé. On pourrait pas ouvrir une fenêtre juste de 5 cm. Mais bon. Tout ton poids sur le genou blessé. S'il vous plaît, un peu de silence, merci. Préservons la sérénité absolue de cette pièce. Bien droit, ok. Hey, non, ne me mette pas. Je vais y arriver, d'accord? Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça a vraiment été l'échec total. Je crois que je suis pas assez souple pour ça. Le yoga chaud est une torture inutile. Je t'assure qu'on finit par s'y habituer au bout d'un moment. Il faut que j'y retourne? On verra. Oh, regarde ça. Rien n'a changé. Ils ont encore tous mes jeux de foire préférés. La dernière fois que j'ai tenté ma chance, c'était pendant la coupe, il y a 4 ans. Je sais. J'ai jamais gagné au lancer d'anneau. Je crois que ce jeu est truqué. Il n'est pas truqué. Tu parles. Je suis une experte. Peut-être que je m'amuserai à te gagner une peluche cette semaine. Non merci. Cette fois, c'est moi qui gagnerai le gros lot au lancer. Mon heure est venue. C'est à mon tour. Si seulement la coupe avait lieu tous les ans, tu aurais plus de chance. Mais puisqu'on ne te voit plus que pour cette épreuve... C'est le calendrier des épreuves qui veut ça. La saison dure 5 mois par année. Oui, mais les contrats de promotion durant les 7 autres mois paient pour les compétitions. Et il y a l'entraînement, tu vois. Je dois suivre les flocons. Tu as manqué à tes parents? Ils venaient à tous les championnats. Je les voyais souvent. Je sais, Jenny et moi, on gère l'hôtel en leur absence. Ma mère m'a dit que l'école de ski marchait bien. Tu t'es fait un nom dans la profession. J'essaie simplement de suivre les traces de mon père. Eh bien, non, pas tout à fait. T'as laissé tomber tes rêves d'entraîneur professionnel. Je n'ai pas renoncé, tu sais. J'entraîne toujours notre équipe. Pas pour des championnats internationaux. J'entraîne tout de même une équipe. Des enfants de 12 ans. C'est une mine de champions. Tu es passé par là. Tu le sais mieux que quiconque. Tu aurais pu faire tellement mieux. Oh, je me suis très mal exprimée. J'espère que ce n'est pas ce que tu penses. Tu adorais ce travail. J'aime toujours ça, et d'ailleurs, c'est moi ton entraîneur. Est-ce que tu veux que je porte l'uniforme officiel pour te le prouver? C'est pas du tout ce que je veux dire, d'accord? Et j'ai l'impression que je fais jamais ce qu'il faut avec toi. Écoute, on avait des projets, c'est tombé à l'eau. Ça arrive parfois.
Oui, mais on dirait que tu m'en veux encore. Je t'en veux pas, c'est même moi qui t'ai dit de t'entraîner avec Nils. Quoi, tu aurais aimé que je lui dise non ? Justine, ça n'a rien à voir avec ton départ. Ce qui est grave, c'est que tu sois partie en oubliant notre amitié sans avoir le moindre regret. Et le fait que tu te rendes même pas compte de ça, c'est... Oh. Avis. Je l'ai fait repartir à zéro et même descendre la piste verte. Je pense qu'il doit tout réapprendre. Justine, sur la piste verte ? Oui. Tu as pris des photos ? Non. Vous rigolez, et des photos de... Salut, vous deux. Oh. Tu sais quoi, Justine ? Hein ? Kayla a l'expérience qu'il te faut. Ça, je sais. Tu serais bien avisé d'écouter ses conseils. Eh bien, j'ai l'habitude d'écouter mes entraîneurs. C'est la meilleure de l'année. Très bonne décision de vous remettre à travailler ensemble. L'alliance de nos familles a bien souvent fait naître de belles victoires. Ça me plaît. Justin. Oh, excuse-moi, c'était presque une remarque positive de sa part. Je sais pas comment le prendre. Il est juste vraiment fier de toi. Lui, fier de... Oh, tu es sérieuse? Oui. Je fais tout de travers. Il trouve quelque chose à redire à chaque fois. Mm-hmm. Mais t'es pas venu écouter mes doléances. Non, j'étais venu lui parler. Lui parler de moi ? Non, contrairement à ce que tu penses, le monde ne tourne pas autour de ta personne. Ah non ? Eh bien... Je suis carrément déçu. Tu es prêt ? On reprend le travail. Maintenant ? Mais c'est la cérémonie d'ouverture en ville tout à l'heure. Ouais, je sais, on y va, Jenny et moi. On sort juste une heure. Moi j'y vais avec Wyatt, on peut vous y retrouver ? Ouais, si vous voulez. Entendu. D'accord. J'aimerais juste... te présenter mes excuses pour ce que j'ai fait. Justin, tu peux remporter la victoire. C'est pas ton genou le problème, c'est ta tête. Mais on va arranger ça. Je sais à quoi tu joues. On venait souvent ici le soir pour évaluer nos chances de dominer le monde de la compétition. Tu vois, je suis pas si énigmatique en fin de compte. T'as déchiffré mon code. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant, Justin O'Neill ? Je veux la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est mieux que la défaite. Et ? Je pense que c'est suffisant comme raison. Mais pourquoi c'est si important ? Parce que t'as déjà des tonnes de médailles, un record du monde que personne n'est capable de battre. Alors pourquoi tu veux cette victoire ? Le ski, c'est tout ce que j'ai dans la vie. C'est pas tout ce que tu as, mais tout ce que tu as choisi d'avoir. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Tu t'en tireras pas si facilement. Je te rappelle qu'on avait mis sur pied un plan ambitieux pour dominer le monde, toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu veux, Kayla Green ? Moi, rien. Je me satisfais de ce que j'ai. Tu avais des rêves, autrefois. Tu avais des objectifs. Tu voulais toujours plus et... les hommes tombaient à tes pieds. Eh bien, comme j'enseigne à pas mal de gens à faire des dérapages, les chutes sont inévitables. Pas d'hommes dans ta vie ? J'ai eu quelques... aventures de ci de là, mais rien de sérieux, pas depuis Vince. Vince ? Tes parents ne t'ont jamais parlé de Vince ? On parle seulement de la météo et du ski. Ça fait 2 ans environ, il était moniteur de ski. On a failli se marier, mais ton père m'en a finalement dissuadé. Il adore dire aux gens ce qui est mieux pour eux, il faut pas les... Dis pas ça, il m'a protégée, il a fait ça pour mon bien. Mon père ? Tom O'Neill. Oui, t'as un autre père dans le coin que j'ai pas rencontré. Crois-moi, c'est un homme tout à fait formidable. Et ta mère est merveilleuse. C'est difficile d'avoir perdu mes parents et... les tiens ont comblé ce vide pour moi et Jenny. Je sais. Ça a toujours été compliqué entre mon père et moi, c'est tout. Je crois que toutes mes relations sont plus ou moins compliquées, finalement. Rentrons à la station. La cérémonie d'ouverture est à 20h et t'as besoin de te doucher. On fait la course ? Ouais, si tu veux, mais c'est pas équitable, je suis un professionnel. C'est ça. Le dernier à l'hôtel fait la première tournée.
Justine ! Salut Anna. Depuis une heure. J'ai coupé la sonnerie de mon téléphone. Je vais à la cérémonie d'ouverture. Tu veux venir ? Pas le temps, désolé. Le président des vêtements de ski Snowvolts est au bar et il voudrait te parler. Rejoins-moi tout de suite. Je peux pas, mes amis m'attendent. Préviens-les ! Tu seras 20 minutes en retard tout au plus. Dépêche-toi ! Bon. Allez ! Ça va, calme-toi, je viens, je me dépêche. J'ai empoché mon héritage, j'ai arrêté les courses de ski de fond et j'ai créé les vêtements Snowvolts. En moins de 5 ans, nous étions cotés en bourse. Vous pouvez être fiers des exploits que vous avez accomplis à votre âge. En particulier quand on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais soyez sûr que pour représenter votre ligne de produits, il n'y a pas mieux que Justin. Il détient toujours le record du monde. Et il fait beaucoup vendre. Je vous ai toujours apprécié. Je voulais vous prendre avec nous la première année, mais vous faisiez une pub pour un concurrent à l'époque. Je vous trouve accessible. Et notre marque aurait besoin de votre maturité pour accroître nos parts de marché. Maturité ? Bien dit. Mais vous avez fait un beau vol plané l'an dernier en Autriche, et pour être franc, j'ai rarement vu un skieur se remettre de ce genre de blessure, alors je me demande si votre heure de gloire ne serait pas passée. Je comprends votre hésitation. Vous voulez être sûr que je suis au top de ma forme avant de vous engager. Mais je vous certifie que si j'étais pas sûr de moi, j'aurais jamais pris part à cette rencontre internationale. Rendez-vous dimanche. Je vais vous prouver que vos craintes sont infondées. Très bien. On verra qui emporte l'épreuve de descente. D'accord. Santé. Arrête, s'il te plaît. C'est pas drôle. Ouais. Oh, hé, vous voilà. Bonsoir, Jenny. Ah, on a enfin fini de préparer les enchères. Je n'en peux plus, je vais en faire des cauchemars. C'est toute notre famille, ça. On veut toujours faire les choses trop bien. Pas de soucis avec Justin, j'espère ? Oh, bien sûr que si, mais je sais comment le prendre en main. Vous l'avez vu, au fait ? Il m'a prévenu il y a plus de 20 minutes qu'il partait de l'hôtel. Tu le connais, entre le téléphone et les interviews. Je pense qu'il est en chemin. Alors, bonsoir et bienvenue au Festival de Winter ! Une grande fête avec au programme friandises, boissons et divertissements et des enchères. Et une magnifique soirée de danse en ligne avec des musiciens. Et le clou du spectacle, ce sera l'épreuve de descente avec les plus grands noms du ski. Merci. Tous les bénéfices des ventes seront versés à Skion pour l'éducation, comme ceux de la vente aux enchères, où vous trouverez plein d'articles magnifiques. Des soins de beauté, des bijoux splendides, oh, et des forfaits vacances. Alors, faites chauffer vos chéquiers. La suite dans quelques instants. Tu m'offres une bonne tasse de chocolat chaud ? C'est ma tournée. Hein ? Qui en veut ? Oh, eh bien, dans ce cas, je dis pas non. D'accord, mais je sais, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. C'est pas trop tôt. Tu m'as l'air impatiente de voir Justin. Impatiente? Non, c'est que j'aime les gens ponctuels, c'est tout. Quand moi je donne rendez-vous à quelqu'un, je m'y force. Oui, c'est ça, dis ce que tu veux, mais moi j'en crois pas un traître mot. Je suis vraiment désolée, mais mon agent avait prévu une réunion et j'ai... Ils vont annoncer la liste des skieurs. Attends, ne te laisse pas faire, il est en retard. J'ai refusé de lui adresser la parole jusqu'ici. Oh, salut, Jenny, tu vas bien? Ça va, Wyatt, et toi? Moi... Ouais. Oh. Tu as fait mouche. Celle qui va vous donner la liste des participants à la Coupe de Winter n'a pas besoin d'être présentée. Faites au triomphe à l'actuelle championne du monde de Super G, Nancy Sieber. Oui, bravo. Elle fait la descente féminine. J'ai pas vu son nom sur la liste. Non, elle s'entraîne pour les mondiaux de Zurich avec l'entraîneur de Hunter Davis. Merci pour cet accueil triomphal, même si je ne participe pas à la compétition de cette semaine. Mais la liste des participants est incroyable. Il va y avoir du spectacle avec Hunter Davis, Lars Edmund, Anthony Norman et le grand champion de la région, Justin O'Neill. Alors à dimanche et que le meilleur gagne. Et maintenant, on va boire un verre? Allez-y, vous deux. Toi, tu vas immédiatement au lit. Mais... Fallait pas être en retard. Très bien, à vos ordres. Parfait. Parce que demain, c'est chrono sur piste. Quoi? Non. C'est vrai? Ouais. On passe aux choses sérieuses. Parce que j'ai pas reconnu le Justin O'Neill qui a fini premier à Zermatt. Ça rigole pas aujourd'hui. Oh. Oh. Je
suis probablement un petit peu rouillé. C'est sûrement les oreillers de l'hôtel. Je vais devoir en parler à mon père. Ces trucs sont durs comme du bois. C'est une blague? Ils sont horribles, je te jure. Sois sérieux une seconde, parce que le vrai souci, c'est que tu n'es pas assez concentré. D'accord, d'accord. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à me centrer sur la piste. Ça va, reste zen. On va faire une courte pause. Tu te souviens quand on était dans l'équipe de ski junior? Une des meilleures époques de ma vie. On se disait qu'on pouvait être les rois du monde. Tu peux redevenir le roi de la descente. Tu as juste à te remettre dans cet état d'esprit où rien n'avait d'importance à part le vent sur ton visage. Le son de la neige sous mes skis. Le frisson de la vitesse. Ouais. Tu sais, mon genou est guéri. Mais ce qui me fait peur, c'est de ne pas revenir au sommet. Mon père disait que tu dois jamais laisser la victoire te tourner la tête et la défaite te vriller le cœur. Dès que ta tête reprendra le dessus, ton genou lui obéira. Merci, coach. Faut y retourner. Très bien. Ton verdict? Il ne favorise plus son genou gauche et donc il est tonique dans les virages. Et le chronomètre? Il s'est amélioré depuis ce matin, mais il est encore loin du record de descente. Il a besoin de quoi, selon toi? Eh bien, je pense qu'il lui faut des encouragements. Pas de critiques, parce que je crois qu'il manque de confiance en lui. La confiance ne lui a jamais posé problème. Je sais, c'est là qu'on voit à quel point c'est grave. Salut. T'as l'air en forme, Justin. Merci. Au fait, n'oublie pas la vente aux enchères de ta mère. Je crois que ça lui ferait plaisir que tu sois présent. J'avais prévu de venir. Super. À ce soir. Et surtout, garde la forme. J'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Très élégant ce soir. J'allais pas venir à ta soirée caritative habillée comme un sac. C'est bon de te voir à la maison. C'est bon d'être venu. Maintenant, mange, bois, amuse-toi et fais une offre sur les articles mis aux enchères. D'accord. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Quel radin. Excuse-moi, mais là, je me trouve plutôt généreux. À la prochaine édition de cette soirée, je serai médecin et je lèverai des fonds par millions. J'ai hâte de voir ça. Tu verras. Des cours de ski. Banal. Ouais. Là, regarde, des boucles d'oreilles en diamant. Oh, joli. Oh, ah, ah, salut. Salut, salut Justin. Salut. Jenny, je te trouve très... Je te trouve très beau aussi, Wyatt. Merci. Un repas avec Hunter Davis, mise à prix $500. Mais pourquoi ma mère m'a pas demandé de faire un don cette année? D'après moi, ta mère pensait que tu ne resterais pas très longtemps et puis Hunter a fait un don. Il lui suffisait de me téléphoner, je fais toujours un don, tu sais bien. La proposition aurait peut-être dû venir de toi. Je le propose maintenant. Alors trouvons quelque chose qui me représente et mettons-le sur la table. Très bien, réfléchissons, je vais m'en occuper. Allez vous asseoir. Les enchères vont bientôt commencer. Et vendu au numéro 107 pour $600. Merci pour votre générosité. Bon, d'accord. Alors, on vient de m'annoncer qu'un lot a été mis aux enchères à la dernière minute. J'appelle sur scène une commissaire priseur spéciale, la directrice de l'école de ski locale, mademoiselle Kayla Green. C'est la folie ce soir. Bonsoir à tous et à toutes, chers amis. J'ai participé à la sélection des articles que nous avons mis aux enchères aujourd'hui au profit de Skion pour l'éducation, qui envoie depuis 20 ans des jeunes défavorisés à l'université grâce à la merveilleuse bienfaitrice qui est là, Gretchen O'Neill. Bravo. Merci. Vous voulez savoir quel magnifique article nous allons mettre à prix, hein?
Eh bien, quelqu'un dans cette salle aura la chance de passer toute une journée avec le célèbre champion de ski, médaillé des dizaines de fois et vendeur de chaussures de marche, Justin O'Neill. Viens me rejoindre, Justin, et envoyons ensemble un maximum de jeunes à l'université. Une journée avec cette légende vivante. Alors, à combien on commence? 150? 150, allez, 200. Est-ce que j'entends 200? 200, nous avons 200. 200, 200 dans le fond. J'entends 300, qui dit 300? Madame offre 300. 400. 500, ça commence à devenir intéressant. Justin, tu as vu ça? Mais tu sais ce que je pense? Qu'on doit pouvoir faire un peu mieux que 500 dollars. On a là le porte-parole d'une marque très connue de sous-vêtements, ok? On se souvient tous de cette pub ridicule qui a dû beaucoup te rapporter. Alors vas-y, prends la pause. Fais-nous la flexion du bras en direct. Ils veulent voir la flexion. Est-ce que j'entends 1000 dollars? Allez, quoi, regardez cet Apollon, c'est une légende! Élu athlète de l'année en 2018! C'est pas le premier venu, c'est un champion! J'offre 3000 dollars! Wow! Super! On peut avoir 3500 dollars? 3500! Madame, vous avez surenchéri sur votre propre offre. C'est pour les jeunes! 3500 dollars! Une fois, deux fois. Adjugé à la charmante demoiselle qui tient le numéro 41 pour 3500 dollars! Je crois que c'est un record pour un article mis en vente à ses enchères, hein, Gretchen? C'est exact. Merci, Justin. Non, merci à toutes et à tous pour votre générosité. Ouais, bravo. Je l'ai retrouvé. Qui ça? Mon meilleur ami. Vous vous souvenez quand on venait ici en secret quand on était gamin? On regardait les skieurs de nuit. On leur lançait des boules de neige. Puis on courait se cacher. Ah, les souvenirs. C'est bien qu'on en fabrique de nouveau. Je croyais que j'avais tout bien calculé. Devenir pro et conquérir le monde. Justin, c'est exactement ce que t'as fait, alors. Ouais, bon, ok. T'as la belle vie, crois-moi. Première, belle soirée, magnifique actrice. C'est pas du tout ma tasse de thé, alors là, pas du tout. Bien sûr. Ouais, mais en fin de compte, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Je me demande constamment si les gens m'apprécient pour ce que je suis ou pour ce que je peux faire pour eux. Eh bien, notre père nous disait, faites confiance à ceux qui vous aimaient bien avant que vous deveniez visible aux yeux des autres. Ne te fais aucun souci, nous trois, on te connaît mieux que personne. Et ça fait tellement de bien de vous retrouver ici. Les enchères, les skieurs de nuit sur les pistes. C'est ça, la vraie vie. Eh, t'as réalisé tous tes rêves, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, je voulais faire partie des Backstreet Boys quand j'étais plus jeune. Regarde où j'en suis. T'as une chance exceptionnelle. Je veux pas avoir l'air du gars qui se plaint la bouche pleine. Tu l'imites à la perfection, en tout cas. Justin, mais qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Oh, je réfléchissais tranquillement. J'avais l'impression que cette pièce était énorme quand j'étais petit. Tu étais moins grand qu'aujourd'hui. C'est pas faux. Dis, maman, ça faisait quoi d'être la femme d'un célèbre champion de ski? C'était grisant et exigeant. Mais on a fait ce qu'il fallait. Et une fois à la retraite, t'as pas regretté le passé? Oh, pas du tout, non. On a enfin eu l'occasion de bâtir des projets tous les deux. Le plus beau, c'était toi. Tu sais, en vivant toutes ces années avec ton père, j'ai appris une chose. Il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à cette frénésie et se demander ce qu'on veut et comment faire pour être heureux dans la vie. C'est une bonne question. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu es un jeune homme qui ne sait plus où il en est dans la vie. Projette-toi dans l'avenir. Que voudrais-tu y trouver, Justin? Thank you.
rester dans le vague. Ne dites rien de précis sur ses performances. Soyez très positive et enjouée. D'accord. Souriez. Gardez le sourire. C'est très important. Justin fait son grand retour et les gens adorent ce genre d'histoire. Justin a l'habitude, mais vous, ça va aller? Kayla? Oui, j'ai eu un petit moment d'absence, mais ça va. Vous serez parfaite. Je me sens prête. Oubliez les caméras. Vous allez juste discuter avec votre amie d'enfance et cette gentille dame. Très bien. Allons-y. Justin, asseyez-vous sur le siège de droite. Et d'accord. Kayla, ici à gauche. Voilà. Très bien. Oh, 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 désolé. Oh, ça va? Oui. Génial. Oh. Bonjour. Comment allez-vous? Si tu te sens nerveuse, regarde-moi dans les yeux, ça passera. Je suis là. C'est rien du tout. D'accord. En fait, c'était la Coupe de Winter, votre première victoire en championnat. Puis vous l'avez remportée à nouveau 2 années de suite. Y a-t-il un défi spécial cette année? Oui, je me suis blessé au genou l'an passé et je dois prouver que je suis en jambes. Mais je suis complètement guéri, à la fois physiquement et mentalement. Et je le dois en grande partie à cette jeune femme exceptionnelle, qui n'est pas seulement mon entraîneur, mais une amie proche. Je vois ce championnat comme une occasion de récupérer plein de choses que j'ai perdues. Comme la coupe qu'il aurait dû gagner en Autriche, où il partait favori. Et il gagnera dimanche. Alors Kayla, quand Justin est devenu professionnel, vous avez cessé d'entraîner. Pas de skieur professionnel, oui, vous avez raison. Parce qu'après Justin, j'aurais forcément été déçue. C'était il y a très longtemps, bien sûr. Mais je suis vraiment fière de dire que le groupe de jeunes skieurs que j'entraîne a gagné la coupe junior par équipe 3 années de suite. Merveilleux. Eh bien, je crois que je parle pour tout le monde ici quand je dis vivement dimanche qu'on voit les prouesses de ce duo à nouveau réunis. Bonne chance et rendez-vous dans 4 jours. Bien joué. Viens skier avec moi. Non, il faut que je t'observe depuis ici. Une petite piste, s'il te plaît. Bien. Comme avant, quand on s'est chauffé ensemble. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je vais chercher mes skis. Quelle grâce! Il n'y avait même pas de bande d'adolescents pour me faire tomber comme certaines personnes. Ah, attention! Ça glisse beaucoup! Salut! Salut! Je voulais juste te tenir compagnie. Ça va? Ouais. Et ton genou? Je me sens bien. On est bien, non? Sauf que j'ai de la neige dans le dos. C'est pas super agréable. Je parlais de ça, de nous. Que c'est bon de se retrouver. C'est sympa, ouais, bien sûr. Je crois que tu es suffisamment échauffé maintenant. On devrait se remettre au travail. Ok. Ça va? Oh. Ouais, ça m'arrive parfois, mais n'oublie pas, c'est pas mon genou, c'est ma tête. Ouais, mentalement, je crois que tu es en forme, mais physiquement, je suis pas rassurée par ton genou. Ça va. Dans cette jambe, il y a tellement de métal que je suis presque un skieur bionique. S'il te fait souffrir, il faut le soulager au lieu d'augmenter l'inflammation. Ça va. Défense de me contredire, tu te souviens pas? Je n'ai aucun souvenir de ce point particulier. Je me souviens des obligations suivantes. Écouter, obéir et faire l'arbre au yoga. La bonne réponse est Kayla, je ferai tout ce que tu me dis sans poser aucune question et... T'es parfaite. Je crois que tu pousses un peu. C'est le contrat. Je ferai tout ce que tu me dis, Kayla, sans poser aucune question. Et tu es... parfaite. Justin, tu penses que tu dis ou c'est juste pour la forme? Allons mettre de la glace sur ton genou. Tu viens ou quoi? Tu veux que je prévienne les secours? Non, ça va, je resserre un peu mes chaussures. Me voilà. On fait une soirée à l'école de médecine. Si t'as rien de prévu, tu devrais venir. Qu'en dis-tu? Oui, non, je veux dire... Oui, avec plaisir. Envoie-moi les infos. D'accord.
Je vais bien, merci, ça va. Je suis assez forte. Je peux marcher. Allez, tu peux y aller. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? J'ai le genou un peu endolori. Ça peut parfois arriver avec ce type de blessure, mais est-ce que tu suis un protocole de physiothérapie pendant l'entraînement? Pas vraiment, j'en avais pas besoin jusque-là. Eh bien, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. On va commencer un tout nouveau traitement de physio. La chaleur profonde stimule la circulation sur les ligaments et réduit la douleur et l'inflammation. Il faudra le faire tous les jours au moins une fois avant le championnat et mettre de la glace entre-temps. Tu fais des miracles, Wyatt. Merci. Tu devrais arrêter l'entraînement pour aujourd'hui, à mon avis. Recommence demain. Un soir de repos? D'accord, j'irai au lit plus tôt. Pas si vite, il y a des jeux non truqués qui nous attendent à la fête foraine. Un peu de divertissement te ferait beaucoup de bien. Mon genou n'est peut-être pas en forme, mais mon bras peut lancer des anneaux avec précision. En plus, il y a de la danse en ligne ce soir. Normalement, tous les mardis, on fait ça au saloon, mais... J'adore la danse en ligne. Tu détestes la danse en ligne. Tu crois que tu sais encore ce que j'aime? J'ai beau changer. Oui, vraiment doué, tu vas trouver ça amusant, crois-moi. On y va tous avec de jolies bottes. Super, on se donne rendez-vous là-bas. Mais pas un rendez-vous romantique. À moins que tu veuilles que ce soit un rendez-vous romantique. Juste un rendez-vous. Juste un rendez-vous. Dans mon bureau. Salut, Justin. Salut, pas. Est-ce que ça va? Mon genou est un peu endolori. Oui, c'est tout à fait normal avec ce genre de blessure. Justin, assieds-toi une minute. Aujourd'hui, j'ai eu un traitement par ultrason et j'en aurai un autre demain. Qu'est-ce que Kayla pense de tes virages? Elle m'a dit qu'il manquait de constance. Je sais ce que je fais. Pas la peine de me conseiller, papa. Mais je dis pas le contraire. Bon, alors pourquoi on change pas de sujet, hein? Parlons de football ou de la météo. Oh. Ah, excuse-moi. C'est aussi ce que mon père faisait constamment. Il était toujours sur mon dos et je détestais ça. Mais j'étais un battant. Tu étais le meilleur. Justin, tu es meilleur que je ne l'ai jamais été. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment? J'ai su que t'étais un champion dès le premier jour. Parce que tu as le ski dans le sang. Comment je vais revenir au top? Je suis en pleine forme et pourtant je suis plus aussi sûr de moi. Alors tu dois travailler 10 fois plus qu'avant. C'est pas une critique, je te fais juste part de ma propre expérience. Et si je perds dimanche? Si ça se trouve, je suis fini. Je veux juste que tu sois fier de moi. J'ai toujours été fier de toi. C'est pas vrai. T'as eu de la chance. J'ai pas donné le maximum ce soir. Je veux t'offrir cette peluche pour que tu te souviennes que ce jeu n'est pas truqué et que je suis juste meilleure que toi. Oh, c'est très touchant. Je jure de la chérir toute ma vie. Allez. Ça fait drôle de les voir ensemble après tant et tant d'années. La grosse peluche a peut-être conquis son cœur. Lui, il a conquis un doigt, alors. Quoi, c'est bien un doigt? Je vais prendre une bière et... Quoi, je peux pas boire une bière? La bière est pour moi, lui va prendre un verre d'eau plate. Tu disais? Il te trouve despotique. Eh bien, dis-lui que je suis payée pour ça, c'est pas ma faute. Merci. Ah, merci beaucoup. Anna se donne sans compter. C'est bien la seule à ne pas m'avoir laissé tomber après ma blessure. Ça remettait tout en jeu, mais elle a jamais douté de moi, en fait. Tu as de la chance d'avoir une personne comme elle dans ton camp. Tu as toujours été dans mon camp, toi aussi. Je suis désolé de t'avoir tourné le dos. Est-ce que tu te sens en forme ce soir? Sur une échelle allant de la panique à l'arrogance, disons que je me sens quand même plutôt confiant, ouais. Mais, tu vois... Et ça me fait plus mal. Je suis pas trop inquiète pour ton genou, je voulais t'inviter à danser avec moi. Oh, Wyatt dit que je dois être prudent avec mon genou, alors je crois que je prendrai pas de risque. Une minute, c'est de la danse en ligne, pas du rock acrobatique. Alors tu as la permission du médecin. Oh, chouette. Super. Je me suis trompée.
pas si compliqué. Attends, quoi? Vous aussi, vous dansez ce truc-là? Toutes les semaines. Bella et Jenny nous ont initiés. C'est un excellent exercice. Qu'est-ce qui leur prend? Mes parents se mettent à danser. Ouais, tu devrais venir plus souvent, on s'amuse. Parfait pour ton genou, ouais. Prends bien soin d'elle. Oui, monsieur. Je t'avais dit que c'était un homme bien. Tout comme son fils. L'ancien Justin est de retour. Ouais, ça fait du bien, tu peux me croire. Tu vois, j'ai passé toute ma vie à essayer de devenir un grand champion comme mon père. Oui, et tu as réussi. Mais en fait, je cherchais plus que ces victoires. Il me manquait toujours quelque chose, mais je savais pas quoi. Et tu as trouvé ce que c'était? Ce soir, je crois que oui. Je voulais gagner un tas de médailles, et je les ai eues. Je voulais être champion du monde, c'est fait. Je crois qu'il y a une chose que j'ai toujours voulu et que j'ai jamais pu avoir. Qu'est-ce que c'est? Toi. Justin O'Neill, tu n'as jamais rien dit. Il faut que j'y aille. Ouais. Essaie de dormir un peu, parce qu'on change de tactique demain. Retour à l'entraînement classique sur les pistes de descente. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Kayla. On a continué de danser encore un moment et... Et je l'ai raccompagné. C'est tout? Un gentleman ne révèle pas ce genre de secret. Ça vous aura seulement pris 15 ans. Tout compte fait, la patience finit toujours par payer. Ouais, ouais, je suppose. Et toi, comment ça va avec Kayla? Vous aviez l'air de bien vous entendre hier soir. C'est pas surprenant, on a toujours été proches tous les deux. Tu as mal? Un peu, mais on a encore 3 jours pour améliorer ça. Je devrais peut-être tout arrêter pour te suivre à travers le monde. Tu me prends comme médecin et je deviens ton soigneur en chef, ton porteur de parapluie personnel. Hein? Ouais, enfin, si tout se passe bien, je devrais reprendre pour de bon dans quelques semaines, alors. Ouais. 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 Toi et moi en tandem à travers le monde, hein? Ouais. Ouais. Non. Je vais pas partir alors que je commence juste à sortir avec Jenny. Compte pas sur moi, vieux. Tu continues en solo. Ils ont l'air de se faire à cette idée. Je suis contente pour toi, il est adorable. Ce serait bien que tu trouves quelqu'un toi aussi. Ça fait quoi, 2 ans depuis Vince? Pourtant, je sors, je t'assure, mais c'est vraiment pas simple de rencontrer des gens dans une ville où tout le monde repart une fois que la neige a fondu. Enfin, je vois quand même une personne qui pourrait t'intéresser. Un champion de ski très séduisant qui se trouve à être dans le coin pour une épreuve de descente. Hunter Davis? Oh mon Dieu, non, il est beaucoup trop jeune pour moi. Kayla, t'es amoureuse de Justin depuis que t'es toute petite. Surtout, ne le nie pas, vous avez toujours fait je comme suis devenue son entraîneur, il y a des bornes à ne pas dépasser. Mais tu aimes l'entraînement de haut niveau, non? Oui, j'adore faire ça. Alors reprenez la compétition en tandem, comme vous l'aviez prévu autrefois. Tu as l'occasion de réaliser enfin ton plus grand rêve, Kayla. Ne le laisse surtout pas s'envoler. C'était bien mieux. C'est quoi mon temps? Pour l'instant, je veux qu'on se concentre sur la relaxation. Tu es crispée. D'accord. Je trouve que t'as la mâchoire toute tendue. Je te sens là. Tu as l'air de bien récupérer. Oh, Nancy, ça va, championne? Ça roule. Vous savez, il y a quelques années, je me suis blessée. Vous faites du très bon travail. Tous les deux. Oh. C'est gentil de votre part. Bonne chance pour dimanche. Merci. Allez, on se remet au boulot. Relax. Ouais. Concentré, comme il y a 3 ans à Cortina. Allez, fonce.
D'accord. Ok. Allez. Relax. Relax. Quel chrono j'ai fait? Une 11-44. 2 dixièmes de moins que le record. Génial! Oui, mais ton genou? Il est au top. La tête aussi. J'en fais une autre pour voir et je t'invite au restaurant. C'est parti! Je suis vraiment désolée. Je suis en retard. Notre meilleure monitrice a encore failli démissionner à cause des jumeaux Hensley. Ils reviennent prendre des cours avec nous chaque hiver et ils sont un peu turbulents. Bref, il a fallu qu'on parle mensonge. C'est pas grave. T'inquiète, c'est pas la première fois qu'une petite amie me fait attendre. C'est un rendez-vous galant? Tu croyais que c'était quoi? Juste un dîner. C'est un dîner galant, ouais. Oh, on a déjà tenté, il me semble. On avait 18 ans. T'avais craqué sur Matt Fitzsimmons et t'avais parlé de lui durant tout le repas. Je l'ai échappé belle sur ce coup-là parce qu'il a fini en prison. Oh. Quoi, Matt? Non. Plaisante. Non, il tient une pharmacie, mais il connaît tous nos secrets, alors il faut pas se le mettre à dos. Ouais, tout le monde sait à peu près tout sur tout le monde dans cette bonne ville. C'est ce qui fait son charme. Si tu le dis. Oh, on peut y aller. Oh, ok. Chris Davenport est venu en vacances ici. Chris Davenport, l'acteur? Ouais, il voulait impressionner sa nouvelle copine. Et il a décidé de prendre des cours de ski avec nous. C'est fou, c'est un genre de James Bond. Il fait des cascades suspendues à un hélico dans ses films, mais si tu le colles sur une paire de skis, il tient à peine debout. C'est incroyable. Désolée, je peux avoir votre autographe? Ouais. Juste une seconde. Vas-y, c'est important. Ouais. Vous êtes génial. Oui, merci mon grand. Comment tu t'appelles? Brady. Brady. Alors, t'es une fan? Ouais. Sandra? Moi aussi. Ouais, si tu veux. Entre toi et moi, je sens qu'il va gagner dimanche, alors à ta place, je garderai soigneusement cet autographe. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Hey, salut. Ça va? Merci. Vous savez quoi? Je signerai en sortant, d'accord? Promis. Merci. Désolé. Tu me parlais de Chris Davenport? Il a payé un moniteur de la station pour porter sa combinaison et descendre la piste pendant que sa nouvelle copine regardait d'une terrasse en hauteur. Il a engagé une doublure? Ouais, il a engagé une doublure. Et là, on parle de la vraie vie, ce n'était pas un film. Les célébrités peuvent être bizarres. Une partie d'entre elles? Pas toutes, j'espère. Si on jouait carte sur table une bonne fois pour toutes. Tu crois qu'on peut jouer en mangeant dans cet établissement? Tu m'as embrassé. C'est toi qui m'as embrassé. Ça t'a plu? J'ai pas souvenir d'avoir dit ça. Oh, tu n'as pas aimé? Je n'ai pas dit ça non plus. Et où ça nous mène? C'est à toi de répondre, c'est toi qui repars après la compétition. Et si je restais? Quoi? Tu vas arrêter pour de bon? J'ai jamais vu la compétition comme un travail. Mais l'idée de faire mon retour sur le circuit, je t'avoue qu'aujourd'hui, ça ne m'emballe plus. Je sais pas. Maintenant, je vois mon avenir sous un jour différent. Et lequel? Je pense qu'il est ici. Avec ma famille, à l'hôtel. Et toi? Est-ce que ça te plairait? Tu crois qu'il envisage sérieusement de rester? C'est possible que oui. Ou peut-être qu'il cherche un bon plan de rechange s'il perd dimanche et qu'il est obligé de prendre une retraite anticipée. Oh, du calme, c'est qu'une épreuve. Il a encore de belles années devant lui s'il poursuit. T'as proposé de l'accompagner? Ça valait plus vraiment la peine. D'accord, alors entraîne. T'es pas obligé d'arrêter en même temps que lui. Non, c'est au moment où Justin est parti il y a 14 ans que j'aurais dû prendre l'initiative. Il faut que tu essayes au moins. Ça a toujours été ton rêve. Mais peut-être que mes rêves ont changé. Bon. Ah, te voilà. T'es prêt pour le grand jour? J'y compte bien. J'ai la journée pour m'entraîner. Génial. J'ai pas le trac, est-ce que c'est normal? Ah, l'absence de trac, c'était plutôt une bonne chose pour moi, mais
Tu peux me croire, il va très vite revenir à la porte de départ. Quand est-ce que tu as su qu'il était temps pour toi de raccrocher tes skis? Un jour, je me suis rendu compte que j'avais accompli tout ce que je voulais dans le sport et que l'heure était peut-être venue de me poser. Oh, les épreuves m'ont manqué, c'est sûr, mais... Non, je n'ai jamais regretté. Tu sais quoi? J'ai un petit cadeau pour toi. Attends. Ton porte-bonheur? Oui. Je l'ai mis à chaque descente après ma première médaille. Sauf une fois où je l'ai oublié à la maison. Le combiné suisse en 84? Ouais. Ouais. J'avoue qu'il m'a toujours porté chance. Depuis qu'on a acheté l'hôtel, il dort au fond d'un de mes placards. Maintenant, il est à toi. Prends-le. J'aurais dû te l'offrir il y a déjà très longtemps. Je crois que je m'accrochais aux souvenirs. Merci, papa. Je vais dire une bonne chose, Justine. Quand le moment viendra de mettre un terme à ta carrière, ce sera parfaitement clair. Kayla! Bonsoir. Oh, salut. On s'est rencontrés l'autre jour. Oui, je me souviens très bien de vous. Je voulais justement vous voir. Auriez-vous un moment pour parler? Bien sûr, il y a un café près d'ici. Oh, parfait. Tout va bien? Il y a de très bonnes pistes pour s'entraîner ici. Alors, j'ai fait un petit essai avec Al Fielding. Il s'occupe de Hunter Davis et je voulais voir si ça pouvait convenir. Il fait vraiment partie des meilleurs. Oui, c'est vrai. L'ennui, c'est que ça colle pas du tout. En fait, il... Disons que Hunter réclame beaucoup d'attention. C'est une star. Oui, mais vous aussi, après tout. Peut-être, mais ce n'est pas ce qui compte pour moi. C'est un équilibre subtil, je sais que ça peut être complexe. Oui, je crois que le plus dur, c'est de réussir à trouver le meilleur entraîneur. C'est comme un mariage, en fait. Il faudrait inventer une appli pour trouver le bon. Mon père avait l'habitude de dire qu'une bonne équipe ne fonctionne que si chaque élément apporte quelque chose qui peut profiter à l'autre. Et vous, que m'apporteriez-vous? Comment ça? J'ai mené ma petite enquête. J'ai pris quelques renseignements sur vous et je n'entends que des bonnes choses. Vraiment? De qui? Eh bien, Tom O'Neill, pour commencer. Il ne jure que par vous et j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui. Mm-hmm. J'aimais le voir s'entraîner avec votre père. Oui, il formait une belle équipe. Oui, oh, c'est vrai. Il m'a aussi dit que vous serviez provisoirement d'entraîneur à Justin O'Neill. C'est juste, oui. Enfin, on se connaît depuis longtemps. Je l'ai entraîné au début de sa carrière. Que pensez-vous faire après la coupe? Vous voulez continuer avec lui ou pas? Je n'en ai aucune idée. Avec tout ce que j'ai à faire, je gère l'école de ski et j'entraîne déjà l'équipe junior. Je vous ai observé cette semaine. Et je crois que vous avez du talent. Merci. Écoutez, je m'envole dimanche matin pour les championnats de Zurich la semaine prochaine. Après, je vais à Courchevel en train. J'ai une maison là-bas et j'aimerais vraiment que vous m'accompagniez comme entraîneur. Oh, Nancy, je suis vraiment flattée, je vous assure. Mais je ne peux pas laisser Justin juste avant le début de l'épreuve. Je sais, c'est un sacrifice. Mais votre travail est fait, et très bien fait. Je l'ai vu sur la piste aujourd'hui. Il est prêt. Maintenant, la question qui se pose, c'est... Que désirez-vous vraiment? Prenez le temps de réfléchir. On en discutera. Thank you.
J'ai besoin de te voir, Justine. Est-ce que je peux venir? Ouais. Je suis devant l'hôtel, sur la terrasse. Justine. Salut. Salut. Tu vois, j'étais en train de penser à un truc que m'a dit mon père. Quoi donc? Il a dit que l'heure venue, je le saurai. L'heure venue de quoi? De tourner la page. Et je suis prêt. Je suis prêt. Je n'ai rien qui me retient à New York. Je veux une vie et je veux une famille. Je veux skier toute la journée et m'asseoir ici la nuit. En fait, tout ce que j'aime est ici, dans cette ville. Je crois que rien n'a jamais été aussi clair. Il faut que je te dise quelque chose. Nancy Sieber m'a demandé d'être son entraîneur. Waouh. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Il faut que tu le fasses, Kayla. C'est ton tour. C'est ce que je veux que tu comprennes. Il faut vraiment que je tente ma chance. Autrement, j'ai peur de le regretter. Tu seras sûrement extraordinaire. Ce n'est pas tout. Nancy s'en va. Dimanche matin, avant l'épreuve. Oh. Elle a besoin de passer quelques jours à Zurich pour se préparer avant le championnat et ensuite elle part s'entraîner en France. C'est un départ vraiment rapide. Oui, je m'en veux terriblement de te laisser comme ça. Non, non. Je suis prêt, Kayla. Tu m'as permis de retrouver ma forme. Je voudrais que tu reconnaisses le parcours demain, mais n'en fais pas trop, d'accord? Et en cas de besoin, tu peux toujours m'appeler demain matin avant qu'on décolle à 9h. Tout se passera bien, crois-moi. Je parie que mon père se fera un plaisir d'assurer mon dernier entraînement. Tu sais... Je peux toujours revenir après la saison, ça ne signifie pas que c'est la fin. Je veux surtout pas être un frein. Ça pourrait te mener très loin et je veux que tu profites de tout ce que cette vie pourrait t'offrir. Je t'aime, tu sais. Je t'ai toujours aimé, Justine O'Neill. Moi aussi. Si seulement on l'avait compris un peu plus tôt... Tu vas beaucoup nous manquer, Kayla. J'ai déjà prévenu les parents de l'équipe de skieurs juniors. Ils sont tous très heureux que ce soit Jenny qui me remplace. Tant mieux. Ah, j'espère qu'ils ne changeront pas d'avis après les deux ou trois premiers cours. Tout va très bien se passer. Et je pourrais toujours t'aider un peu. Ça va être beaucoup trop calme sans elle. Même ses ronflements vont me manquer. C'est ça. Je doute qu'elle ait le temps de penser à moi maintenant que son Wyatt est là. N'hésite surtout pas à appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. N'oublie pas. Je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous avez fait pour nous. Merci de tout ce que tu as fait pour Justin. Ne soyez pas trop dur avec lui, Tom. Il faut être dur pour obtenir des résultats. Quoi? Oh, je plaisante, ça va. Tu l'as remis en piste et Tom n'a plus qu'à le guider en douceur jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais en vitesse. Bien sûr. À bientôt. Prends soin de toi. Bon, je vais rentrer faire mes valises. T'es prête? Oui. We'll be right back.
Alors? T'as fait un bon temps, Justin. 1 minute 14. Ça a l'air glacé plus haut. Je peux améliorer mon temps. Je vais la refaire plus vite. Non, non, tu vas te fatiguer. Tu es prêt pour demain, crois-moi. Mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. J'en suis sûr. Alors, aie confiance en toi, d'accord? T'es un champion. Tu feras un meilleur chrono le moment venu. Tu vas réussir. Fiston, je t'assure, ça va aller. T'as fait tes bagages? Je suis prête à prendre l'avion avec un nouveau passeport. Oh, rappelle-moi de renouveler le mien parce que je vais sûrement venir te voir en Europe. Quand tu veux, t'es la bienvenue. T'as hâte d'y être? Ouais. T'as hésité un petit peu? J'ai juste respiré. T'as eu une hésitation avant de respirer. T'es sûre que c'est ce que tu veux faire? Ouais. Ça a été très difficile de dire au revoir à Justin hier soir. Oh. Mais vous allez vite vous revoir, d'accord? C'est juste au revoir et à bientôt. Le jour que tout le monde attendait est enfin arrivé. Dans quelques heures commencera l'épreuve de descente masculine de la 55e édition de la Coupe de Winter. Ces crêpes vont me donner un peu plus de poids et d'énergie. Je crois que j'ai trop mangé. Ah, le temps est parfait. Je le sens bien. Ouais, les conditions sont super. Et j'ai confiance en moi parce que maintenant je fais partie de l'équipe Snowvolt. Ah, toutes mes félicitations. Ah, merci, merci. J'en suis très fier. Il n'avait pas fait son choix hier. Faut croire qu'il a tranché. J'ai d'autres contacts en vue, il ne faut pas te laisser démoraliser. Il y a des tas d'autres sponsors ici. C'est pas grave, t'en fais pas. Il faut te concentrer sur l'épreuve, oublie ces détails futiles. Fais le vide. C'est déjà oublié. Comment allez-vous, Justin? Eh bien, je suis en pleine forme, mon genou est solide, je me sens d'attaque. Vous me semblez très confiant. Qu'est-ce que vous diriez aux gens du public qui pensent que Hunter Davis va remporter la victoire? Je leur dirais que pour son dernier championnat, il faut qu'un sportif frappe fort. Restez à l'écoute. Vous venez d'annoncer votre retraite sportive? Excusez-moi. Justin. Merci bien, ce sera tout. Vous allez faire tout. Tu es sûr? Ouais. Tu as fait ta marque. On a fait notre marque. Allez, il faut que tu te prépares. C'est parti. Alors, tu es prête à vivre cette aventure? Oui, à 100%. C'est un grand changement, mais je pense que toutes les deux, on va faire des étincelles. Merci infiniment d'avoir confiance en moi. De rien. Je veux qu'on fasse le point sur le classement et qu'on développe une stratégie. Tu verras, il y a 15 cheveux entre la première et la troisième place. Ok. Et je veux creuser l'écart. C'est difficile de quitter ce qu'on aime. Ça me fait ça à chaque fois. Tout va bien. Et crois-moi, tu vas finir au top. Tu es sûre que ça va? Oui. Bon, génial. Alors, Renata Virini a fait un super chrono en Finlande. Mais elle n'est pas remontée sur un podium depuis. C'est une magnifique journée pour la 55e édition de la Coupe de Winter. Aujourd'hui, tout le monde se demande si le triple médaillé d'or de la Coupe de Winter, Justin O'Neill, pourra créer la surprise et battre le nouveau venu Hunter Davis, qui est donné grand favori. Lars Edmund prendra le départ en premier. Au cours de sa carrière, il a fini plus de fois en tête du classement que n'importe lequel de ses concurrents du jour. Et il s'élance! Il est doué, c'est vrai. C'est la première fois qu'Anthony Norman participe à la Coupe de Winter. Il n'est encore jamais monté sur un podium depuis son entrée sur le circuit professionnel en 2019. Oh ouais! Super! Justin, tu peux être vraiment fier de ta longue carrière, même en cas de défaite. J'ai eu le meilleur prof. Flatteur. Souviens-toi, vire serré sur la quatrième bosse à gauche. D'accord. Hey, tu vas les battre. Merci. Ça
Hunter Davis à la porte de départ. Hunter Davis à la porte de départ. Hé, hey. Bonne chance. Merci, que le meilleur gagne. C'est un championnat très disputé. Seulement 6 dixièmes de seconde séparent le quatrième du premier. La tension est à son comble alors qu'il ne reste que 2 concurrents. Il est confiant. Hunter Davis part favori dans cette épreuve d'après son classement actuel et il est déterminé à faire bonne impression pour sa première coupe de Winter. Davis, le plus jeune membre de l'équipe de ski américaine, prend la tête du classement. Quelle descente incroyable! Justin O'Neill à la porte de départ. Justin O'Neill à la porte de départ. Vas-y, mon fils. À son tour. Et le dernier concurrent du jour est le triple vainqueur de la Coupe de Winter, Justin O'Neill, qui a annoncé aujourd'hui qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle. Pourra-t-il finir sur une quatrième victoire? Vas-y, une dernière fois. Excellent départ. Voilà le Justin O'Neill dont on se souvient tous avant sa chute tragique en Autriche. C'est bon, Justin, c'est bon. Magnifique. Justin O'Neill a mangé du lion, mesdames et messieurs. Et s'il est capable de maintenir cette vitesse dans le dernier virage, il peut créer la surprise. Vas-y, Justin! Oh, il est en feu. C'est lui le meilleur. Justin O'Neill, qui venait d'annoncer qu'il prenait sa retraite sportive, a pulvérisé le chrono de Hunter Davis et a établi un nouveau record dans la descente de la Coupe de Winter. Oh, bravo, champion! Tu as réussi! Quelle descente! J'ai eu de la chance? Non, non, tu as juste du talent! Tu es le meilleur! Ah, merci, maman. Je reviens. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas plus à Zurich avec Nancy et... Elle est partie en Suisse pour une épreuve. Mais elle va bientôt revenir parce qu'elle va s'entraîner ici avec moi. Vraiment? Oui, je vais devenir entraîneur professionnel et je vais pouvoir le faire ici même, tu imagines? Après tout, on a les meilleures infrastructures de la région. C'est vrai, oui. Waouh, c'est merveilleux qu'elle a. Tu pourras garder tes racines et tes rêves. C'est mon plan. C'est là que se trouve mon cœur. Ouais. C'est là qu'est le mien aussi. I promise that I love you for the rest of my life. I see you stay in your dress, swimming free before our friends will never be.
another. I promise that I'll love you for the rest of my life.